suite de cette finale de la Coupe du Monde à Birmingham, en Angleterre, avec le saut de cheval messieurs et Loubin, le chinois. Loubin, grand spécialiste à cet appareil, extrêmement acrobatique. Lui aussi un grand habitué de ces tournois de Coupe du Monde, toujours un petit peu dans l'ombre de Li Xiaopeng, champion olympique à Sydney. Et vous allez voir, ça va très très haut et très très vite. Li Xiaopeng qui est champion du monde en titre. Et au niveau olympique, c'est l'Espagnol Gervasio Defer qui a mis tout le monde d'accord depuis deux Olympiades d'ailleurs. Un petit pas quand même à la sortie. Sukara double salto arrière carpé avec une énorme amplitude. Donc c'est un saut en renversement arrière. Contrairement à d'autres gymnastes qui n'exécutent qu'une seule rotation, mais lui il en met deux. Ouais, énorme difficulté, hein. Puis vraiment un saut de grande grande qualité. Voilà, il fait un demi-tour sur la table de saut, une impulsion de bras très très forte. Voilà l'impulsion de bras et les deux saltos carpés. On lui pardonne hein, cette petite flexion de jambe. Oui, la réception quand même problématique. Mais ça va monter haut. C'était son deuxième saut, je crois. Il a eu 9-7 au premier. Ouais, 9-737 pour le deuxième. Et 9-718. Il s'impose, Loubin.